Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Nous le savons bien, les footballeurs les plus connus ont tous des maisons incroyables. De la salle de cinéma à la piscine débordante, découvrons donc tous ensemble 10 maisons de footballeurs les plus chères et luxueuses au monde. Alors si vous êtes prêts, top, c'est parti. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Kylian Mbappé. Le jeune joueur de foot français a opté pour un penthouse avec vue sur la Tour Eiffel. 2 étages dans le cœur de Paris avec jacuzzi sur le toit, de quoi profiter un maximum entre 2 matchs. Un bien immobilier qui s'élève à 3,5 millions d'euros. En attendant de nous faire rêver pendant la Ligue des Champions, il y arrive déjà très bien avec son appartement. Gareth Bale. De retour de son prêt à Tottenham, nul doute que le Gallois retrouvera vite ses marques dans sa superbe villa d'une valeur de 5 millions d'euros, située à Madrid. Zinedine Zidane. Madrid, c'est le lieu où vous pouvez trouver l'incroyable « Maison Blanche » de Zinedine Zidane estimée à 5 millions d'euros. Si personne ne sait encore où Zizou entraînera la saison prochaine, nul doute que sa maison lui manquera. Mesut Özil. 35 millions d'euros, c'est le prix de cette magnifique demeure londonienne. Il y vivait lorsqu'il jouait à Arsenal. On peut apercevoir l'étendue de la maison grâce à ses sublimes baies vitrées. Wayne Rooney. Située dans la région du Cheshire, la demeure de l'ancien joueur de Manchester United et d'Everton est évaluée à 13 millions d'euros. Le plus fou dans cette maison est sûrement le canapé acheté 11 000 euros et customisé avec des cristaux Swarovski. De plus, c'est une des maisons les plus sécurisées. Et pour cause, ce sont près de 36 000 euros dépensés en alarmes, caméras et autres appareils de sécurité. Frank Lampard. Si c'est le Chelsea de Thomas Tuchel qui avait remporté la Ligue des Champions à une certaine époque, Frank Lampard aura tout de même participé à une partie de cette épopée. L'ancien joueur et coach de Chelsea pourra toujours se consoler en profitant de son temps libre chez lui. 7. C'est le nombre de voitures que peut accueillir le garage du Britannique. Niveau prix, elle correspond à 95 000 euros par mois. Par mois, car elle est en fait la propriété de Robert De Niro. Mario Balotelli. Dans le genre extraordinaire, le fantasque attaquant italien marque un but. Évoluant aujourd'hui pour les couleurs du FC Zion en Suisse, il vivait dans un magnifique manoir à 6 millions d'euros en Angleterre lors de ses années à Manchester City. Celui-ci possède une piste d'hélicoptère et un terrain de foot. Non, vous ne rêvez pas. Cristiano Ronaldo. Lorsque le joueur portugais jouait au Real Madrid, Ronaldo possédait cette maison. Cette villa à 5 millions d'euros possède 7 chambres, 8 salles de bain, un jacuzzi, une piscine et même un mini-terrain de football. Au crépuscule de sa carrière sportive, Cristiano Ronaldo pense à la suite. Qu'il imagine, selon toute vraisemblance, principalement chez lui, au Portugal. L'atteste la maison que CR7 va construire avec son épouse Georgina Rodriguez, à Quinta da Marina, sur les bords de l'Atlantique, proche d'un parc naturel. Pour l'évoquer, il faut user de tous les superlatifs grandiloquents. Sur la superficie, d'abord, sur une grande surface de terrain, de 2700 m², la maison en occupera seule 544 m². David Beckham. 123, c'est le nombre de pièces dans le manoir des Beckham. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Dans cette maison, vous pouvez aussi trouver une piste de bowling, un terrain de tennis et une salle de gym. Ce gigantesque manoir d'une valeur de 200 millions d'euros est situé à Beverly Hills à Los Angeles. Lionel Messi. Bienvenue dans la maison concept à 50 millions de dollars pensée exclusivement pour lui.
La demeure s'étend sur 3 niveaux et trouve sa place sur une île exclusive en forme de navire. L'ensemble a été pensé dans un esprit de luxe et de confort, mettant à disposition une variété d'aménagements pour apprécier pleinement chaque moment. À l'extérieur, les vastes piscines se démarquent, offrant un espace idéal pour se détendre et profiter du climat tropical de Miami. De plus, une large jetée permet l'accès aux yachts et autres embarcations. Une maison exclusive sur un île au large de Miami. Les amateurs de voitures trouveront leur bonheur dans un garage de luxe impressionnant, tandis que le jardin propose une atmosphère sereine et naturelle pour se détendre en plein air. À l'intérieur de la résidence, les options de divertissement sont pléthoriques. Des salles de jeux ainsi qu'une salle de réception sont incluses, offrant aux résidents des moments d'exception. De plus, un home cinéma permet de profiter d'une expérience cinématographique luxueuse sans quitter la propriété. L'un des points forts du projet réside dans la présence de 3 hélisurfaces, proposant un moyen de transport aérien pratique et exclusif vers et depuis la demeure. La propriété offre une vue panoramique à 360 degrés sur le paysage maritime environnant sur tout le littoral de Miami. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions concernant ce classement dans les commentaires. Les amis, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.